Kwenam. Gloire à Dieu. Tonna chelenchega tonne yamba. Nous continuons avec vous. Ngoma Samuel Bouloyel. Et nous entretenons sur l'appel de Samuel. Yadinim Samuel chapitre 1 verset yemri pileni. Nous tournons dans 1 Samuel chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. A Samuel yi biga ni chaque wonam nour. Samuel, c'est un jeune homme qui obéissait au commandement de Dieu. Pour cela, nous lisons. Juste avant Samuel, Biga Samuel bine à Eli, man juste avant Tumbi, juste avant Goma, rendant Kawori Wakarkangi. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Eli. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Eli, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel gand jishawaruwa pouin jininga wonam kwaba kolunga shimbewa. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Jishawabula Samuel tasake tinaba. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Yikinjuen kenge a Eli nenge ntiyele. Et il courut vers Eli et dit, mwam, me voici. A Eli elame, mam kabour foumye. Eli répondit, je ne t'ai point appelé. Lebre kenge ntigande. Retourna te coucher. La biga kenge me ntigande. Et il alla se coucher. Juste avant l'évangile, Samuel la à Samuel yik nkenga Eli nenge ntiyele mwame. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Eli et dit, me voici car tu m'as appelé. La Eli le kame mbiga mkaboli lebrinkinge ntigande. Eli répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. A Samuel danankami zusabaye la yama dananka venere ni zusabagwamamiye. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Eli et dit, me voici. La Eli bangame tia jusaba mbon biga. Et Eli comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle à l'Éternel, car ton serviteur écoute. La Samuel, le et Samuel alla se coucher à sa place. Juste avant wa me waya sa Samuel zugui ndebembula wa afshinda mane pina yelia. L'Éternel vint et se présenta et il l'appela comme les autres fois. Samuel la Samuel sakame yelia gome titumtum na kelegdam. Samuel Samuel et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Jusabaye la Samuelia. Gese mamna mana boum shlen neba ting pouin tineba fan yes. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque. Balari mamna mana boum ni shifan mahunda yele. De quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Eli tout ce que j'ai prononcé contre sa maison.
Je commencerai et j'achèverai. Nda wuliga Eli tumna sama zakan. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison. Nyesinye takama porman takagidire deba yinga. À cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Mamda wena ne Eli Timan bikuni katun yita zaka yelwena ye. C'est pourquoi je jure à la maison d'Eli que jamais le crime de la maison d'Eli ne sera expié ni par des sacrifices ni par des offrandes. La Samuel telle nganda me tita yibur buru hatita ayon yiki on par juste balu rokulimsi. Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Eli. A Eli bola Samuel yele. Mbiga Samuel. La Samuel sakame. Mais Eli appela Samuel et dit: Samuel mon fils. Il répondit: me voici. La Eli chokame juste avant la faute bouin. Et Eli dit: quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Dès à Samuel, tout ça Eli fa en kasholo bum neye la Eli la me bam ya jushaba bibman biyam. Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher et Eli dit: c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Thompson karamzi ninga la woto. Voilà le passage que nous venons de lire. Ya Samuel vi makibale. C'est l'histoire de la vie de Samuel. Biga Samuel le. Le jeune Samuel là. Arambe ni kima Eli kamashukuntumne. Était au milieu des fils de ce vieillard Eli. La Samuel le. Mais Samuel là. Amama wa na kene walita ya biga. Quand sa maman l'amenait, il était toujours enfant. La boise au. Néanmoins. Amama ningbumi ninga biga sunwa pa biga sunri. Ce que la maman a semé dans son cœur est resté avec ce jeune homme. Bala amawa katsala ta sankenge betin yo parabwendu ye. La maman ne lui a pas appris à aller attraper les femmes quand elle va partir au service de la maison de Dieu. Amawa jamha la jisha ba juishi. Sa maman lui a enseigné à craindre l'Éternel. Ni kaman wala Eli para hankatun wa kamel. Elle n'a pas fait comme la femme d'Eli qui n'a pas pu gérer ses enfants. Ni Samuel bene Eli ntumne. Alors Samuel était confié à Eli et travaillait aux côtés d'Eli. Abriel mtuwa karkango juste ba gomara nkawo wa karkang yi. Il a dit que la parole de l'Éternel était là en ce temps-là. Balala zaman yuru nebson kalera tinkin wonam gwama. C'était une génération dévergondée, dépravée, personne ne voulait marcher avec la parole de Dieu. Tunnam ya ngom ngomi ya te pasakri et tunnam kongwe. Et Dieu a parlé, parlé, personne ne prêtait attention à tel point que Dieu a décidé de ne même plus parler de façon fréquente. Elle est un peu semblable à notre génération. Vous pouvez faire le tour de beaucoup d'églises sans entendre une prophétie. Yamna yilma dima matan bena se yamkana yenirhane de prophétie. Vous allez faire 3 à 4 dimanches sans entendre une prophétie qui dit: je suis l'Éternel au milieu de vous. Notre génération est comme celle-là de, au temps de Samuel. La Bible attend que quand on a Eli, on a pris un peu de temps. Et il a dit qu'en ce moment-là, Eli avait les yeux adoucis et il ne voyait plus clair. Il était couché dans la maison à sa place. Ton yata kale, ta kabene yon ne karechambi yel geta, ta koule, wenam poum na pouen, un kalevre pour une tatin kele kentori, anawa kin perd pour.
Et nous tirons comme leçon ici, il est soit important pour un serviteur de Dieu, diacre ou pasteur, quand tu es avancé en âge, tu veux continuer avec l'œuvre, tu finiras par échouer. Nous avons mis comme un corps à pour un bibo et combustion les derniers bas. Si vous constatez que vous avez beaucoup avancé dans l'œuvre et vous êtes en grand âge, recherchez des jeunes qui vont venir vous relayer. Et puisque l'œuvre de Dieu demande la vigueur, mais après que vous soyez épuisé, vous risquez d'être vaincu par vos adversaires, vos ennemis. Et Dieu s'est adressé à Pierre, il a prophétisé, il a écrit, « Jeune homme, la puissance de Dieu est avec vous et vous avez vaincu le malin. » Et cela ne s'adresse pas aux vieillards, mais aux jeunes. Donc, alors, vous avez, si vous avez commencé l'œuvre dans votre jeunesse, vous constatez que vous êtes fatigué, vous n'êtes plus jeune, vous êtes très avancé en âge. Même si vous ne partez pas en retraite, votre force sera en retraite. De même que la force, l'éclat de vos yeux. Et en ce moment, votre ennemi peut prendre le dessus. Et c'est ce qui est arrivé à Eli. La retraite n'est pas une perte. Ça nous aide d'éviter certains problèmes. Et puisque Eli avait les yeux troublés, Samuel était à ses côtés. Et Samuel était dans le temple. Samuel Samuel servait dans la maison de Dieu et il y était couché. Attestant qu'il s'est consacré entièrement à l'œuvre de Dieu. Et la vie de Samuel est très exemplaire. Et il ne s'est pas consacré à moitié ou une partie. Il était dans la maison de Dieu comme les enfants d'Eli. Mais lui, il n'attrapait pas les femmes qui en service dans la maison. C'est un bon exemple, un bon témoignage. Et il est dit que tout le peuple d'Israël témoignait de lui et il était agréable. Il y a de ses fils des pasteurs dont les gens donnent un mauvais témoignage et de plus, ils ne les aiment pas. Ils ne sont pas aimés. Attestant que dès que les gens commencent à haïr, c'est que Dieu aussi n'aime pas. Samuel était couché dans la maison de Dieu. Il a entendu au milieu de nuit Dieu l'appeler. Il a répondu. Croyant que c'est Eli qui lui appelait. Il est allé se présenter. Il est allé lui dire, me voici car tu m'as appelé. Eli lui dit, je ne t'ai pas appelé. Et cela a été répété trois fois de suite. Dieu n'est pas comme l'être humain. Si c'était l'homme, quand il a appelé l'enfant, l'enfant n'a pas reconnu que c'est Dieu. Et l'enfant dirigeait celui qui il n'a même pas appelé. Si c'était l'homme, il allait dire, reviens, reviens, c'est moi qui t'appelle. Mais voici. Voyez que Dieu n'est pas ainsi. Dieu lui a appelé trois fois de suite. Et voudrant que la réponse découle d'ailleurs. C'est à la troisième fois, après la troisième fois, que le vieillard a dit au jeune homme, je sais que c'est l'Éternel qui t'appelle. Parce que j'ai commencé l'œuvre dans ma jeunesse. Je sais quelle est la parole de Dieu. Arrivé, recouche-toi. Dès qu'il t'appelle de nouveau, dis-lui, parle, car tu écoutes.
Donc, datin litiba Samuel ne avima ya chamanwa ala keten kilerda Eli. Malgré que Samuel avait une bonne conduite, il écoutait toujours Eli. Il y a de ces jeunes pasteurs qui ne veulent plus écouter ceux qui les ont précédés. Même si quelqu'un a sa mission rompue avec Dieu, néanmoins, il y a quand même des garde-fous dans sa vie qui peuvent toujours vous être utiles. Wennam sonwa nzabne ili ti chek ban patne gomnewa a Samuel akatun wennam nzabne ili ngomgom yodi et quand Dieu Eli ne s'entendait plus à tel point que Dieu ne voudrait plus s'adresser à Eli directement, Samuel n'a pas profité de cette occasion pour mépriser et bouder contre Eli. A Samuel da ketun wora nikima halabane a zaka mission Eli zaka mission liwa. Samuel continuait d'honorer le vieillard malgré que sa mission a été rompue. Juste avant Mbola, Samuel Tassaka, quand il a répondu à l'appel de Dieu, Dieu lui a dit, Samuel, je vais te dire ce que je vais faire dans la maison d'Eli. Je lui avais prévenu que je vais ruiner sa maison. Et ce n'est vraiment pas joli que Dieu détruise la maison de son serviteur. Concernant nous, d'aujourd'hui, si le pasteur ne maîtrise plus ses enfants à tel point qu'il commette l'ivrognerie et l'impuricité. Et si Dieu décide de détruire sa maison, les gens vont dire que c'est le diable qui est en train de détruire la maison du pasteur. Et pourtant, c'est Dieu en personne qui fait son œuvre. Ne peux pas disposer tes enfants ou tes serviteurs et que ton ennemi vienne le corriger lui-même. Parce que l'ennemi, c'est un destructeur. Lui, il s'en moque d'un serviteur qui n'obéit pas à son Dieu. Ce que l'ennemi désire, dès qu'un serviteur de Dieu offense à l'ordre de Dieu, que lui vienne tuer. Et après lui avoir appelé, Dieu a commencé à lui partager de ce qu'il a dans son cœur. Eli a trop de crimes dans sa maison. Ça a été examiné, ça a été constaté. Qu'aucun sacrifice, aucune offrande ne peut expier ce crime-là. Parce que s'ils offensaient, ils ne se repentaient pas pour expier ce péché. Ils entassaient, ils gardaient les péchés. Ils commettent l'impudicité sans se repentir. Et la viande sacrifiée qui n'était pas autorisée à manger, il mangeait ces viandes-là sans se repentir. Et la parole de Dieu nous rapporte qu'une autre force a calculé le nombre de leurs crimes et ça a été révélé qu'il y a trop de crimes. Et qu'ils ne pouvaient plus être rachetés. À moins qu'ils meurent pour rétribuer. Et là aussi, c'est un enfer. Ça, c'est la désolation. De nos jours, beaucoup de pasteurs ou d'églises, ils ne pressent pas que Dieu calcule leurs péchés. Si jamais ils tombent, qu'ils se répandent afin que le sang de Dieu les expie. Et pourtant, il y a des démons qui calcule aussi les péchés. Et Dieu aussi fait de son côté. Le sang de Jésus est versé. Et
pour que ceux-là qui ont le péché, qui ont des péchés, qu'ils viennent afin qu'ils soient rachetés. Malheureusement, les gens continuent de commettre le péché, mais ils ne se répandent pas. Ils ne partent pas se sanctifier. Et pourtant, vos péchés, tout péché commis est inscrit dans un document. Chaque jour, avec le nombre de bouteilles de bière, tout a été inscrit dans un document. Chaque jour, avec des impudicités, ça a été enregistré. Vos disputes sont enregistrées. Mais vous qui les rassemblez, cela va vous conduire en enfer. Ce n'était pas normal que si jamais vous offensez, vous l'écrivez pour vous répentir. Cela fait que votre connaissance ne vous est pas profitable. Vous pouvez écrire les noms des gens. Et tu ne peux pas écrire le nom de ton péché commis pour te répentir. Cela fait que beaucoup de fidèles seront ruinés. Il y a de ces chrétiens qui croient qu'après avoir commis un péché, et si jamais ça dure que j'oublie, le péché aussi est parti. Ce n'est pas ainsi. Voilà pourquoi il y a d'autres dont les péchés des parents les suivent. À moins que tu t'appuies là-dessus pour te confesser. La durée d'un péché ne l'annule pas. C'est quand tu le confesses et tu te répands au nom de Jésus que ce démon te quitte. Dieu a donné le témoignage de la maison de son serviteur. Et si jamais dans la maison de son serviteur, s'il y a de péché qui ne s'est pas répandu, il va détruire la maison. Dieu a dit à Samuel, quand je m'apprêterai à détruire la maison d'Élie, tout Israël sera étonné. Pourquoi? N'est-ce pas ton serviteur? Et lui et ses enfants? Pourquoi détruire sa maison? Cela va épouvanter les gens. D'autres vont dire, ce n'est pas Dieu qui ose faire cela, c'est le diable. Et Dieu dit, ce n'est pas le diable, c'est moi qui vais le faire, afin que les gens soient épouvantés. Voyez, il y a beaucoup de maisons dont ceux qui y vivent ne se répandent plus. Les femmes ne s'humilient pas pour demander pardon à leur mari. Les enfants ne sont pas aussi humbles pour demander pardon à papa ou à maman. Et le papa ou le chef de la famille ne se rend pas humble pour rassembler les membres de sa famille qui demandent pardon à Dieu et qu'ils se pardonnent entre eux. Ils ont ruiné leur salut et ils croient qu'ils sont toujours citoyens et des fils de Dieu. De telle foi, ce n'est pas bien. Nous devrons écouter la vie de Samuel. Dieu lui a montré à Élie. Et Élie, ses deux fils vont mourir en un même jour. Et Dieu a dit que j'ai juré par moi-même. Il a juré que ce qu'il a prononcé, aucun don, aucune offrande ne peut expier le crime de la maison d'Élie. Quand Dieu s'entretenait avec Samuel, Samuel fut contrit. Faut pasteur principal. Parce que c'est son pasteur principal. Et que Dieu te confie de tels messages pour aller le partager. Parce que lui, il ne peut plus, il ne veut plus parler avec lui.
Car il y eut un temps où lui-même lui a dit qu'il a trop de crimes dans sa maison. Samuel fut animé de tristesse. Jusqu'à ce que la journée paraisse. Samuel a ouvert les fenêtres et les portes. Il est venu. Tout ce que l'Éternel t'a dit. Samuel, je ne veux pas que tu me caches quelque chose. Si tu me caches une de ces choses-là, je proclame que Dieu te traite dans toute sa rigueur. Dieu te traite dans toute sa rigueur. Savez que Samuel était tenu d'être fidèle et le transcrire tout ce que Dieu a dit. La Samuel tira mi en torni kima ahanka tonwa tuna tanewe na mbeye ninga sukwa. Et Samuel a été fidèle, il lui a raconté ce que Dieu lui a dit et ce sur quoi il n'a pas triomphé dans sa mission et ce que leur relation Élie et Dieu était devenue. A Samuel wana ngoma shawa. Après avoir fini, a Élie gine maram. Élie était paralysé. Affaibli, c'était une grande tristesse. Ce qu'il a pu dire, il a dit que l'Éternel fait ce qui lui semblera bon. Vous croyez que cela peut résoudre un problème encore? Vous voyez que ce n'est pas possible. Cela, ce sont des larmes. Si vous travaillez avec Dieu, et si vous n'aimez pas plus les commandements de Dieu plus que vos enfants, et si vous ne combattez pas le péché de tout cœur, celui qui va déféquer, c'est vous. Beaucoup de pasteurs ont déjà nui leur appel. Parce que Dieu a dit à Moïse, ne t'arrête pas de proclamer les commandements. Et pourquoi tu te dis, pasteur, et tu ne presses pas ce qui est de la parole de Dieu? Les gens prennent l'alcool, ils viennent dans l'église, et tu ne presses pas sur l'alcool. Commettre l'impudicité tout en venant dans l'église et tu ne parles même pas de cela. Et elles avortent et viennent et tu ne parles pas de l'avortement. C'est de telles affaires que Dieu dit, mais tu honores tes fidèles. Parce que si tu lui avais parlé de son avortement, mais cela à son déshonneur. C'est que puisque son affaire a été révélée, elle est tenue d'arrêter. Ou bien cette personne se répande et ce sera à la gloire de Dieu. Mais puisque vous ne prêchez pas sur leur péché, qui viendra se répandre et que cela soit à la gloire de Dieu? Et puisque vous n'allez pas prêcher pour qu'en fin de compte cela soit à la gloire de Dieu, ce qui est caché, c'est pour vous. Si vous ne les prêchez pas, c'est ce qu'ils font. Les gens vont vous condamner. Que c'est vous qui ne les avez pas informés. Et ces derniers même vaudront mieux que vous. Parce que vous et eux, vous serez chassés. Ils vont dire, en tout cas, nous, au moins, on a vu. Commettez l'impudicité. Nous verrons mieux que nous avons goûté. Vous qui nous avez caché, vous ne nous avez rien dit. Vous n'avez pas bu. Vous êtes chassés au même titre que nous. En ce moment, ils ont perdu, mais ils valent mieux que vous. Pasteur, décortique la parole de Dieu, presse avec audacité car ce ne sont pas tes propos. L'assemblée, le peuple, c'est le peuple de Dieu. La parole, c'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas ta parole. Tu es l'intermédiaire entre le peuple et la parole de Dieu.
si tu ne peux plus prêcher de façon véritable, laisse la mission et va-t'en chez toi. Afin qu'on reconnaisse que tu n'y es pas. Sinon, ce que tu caches là, en réalité, tu vas t'incendier. Faut pas ma yam. Tu as eu cette ruse. Que les gens envoient l'argent. Maintenant, tu ne vas pas prêcher sur leur péché de peur qu'ils s'en aillent. Tu les as cachés. Ils vont partir. Une autre force va les disperser. Mais toi, tu seras dispersé malheureusement. Voyez. Presse la vérité que les gens s'en aillent. Et ne laisse pas les sorciers venir les éparpiller dans leur péché. Le dernier. Passage dans 1 Timothée chapitre 5, verset 7. Et ce passage aussi est digne de méditation. Il est dit dans ce chapitre. Et nous lisons, déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. La parole nous dit, dis-leur ces choses. Afin que personne ne t'accuse en disant, il ne nous a pas dit. Déclare-le. Sinon, ils vont t'accuser. Le pasteur ne parle même pas du péché. On n'a jamais entendu parler de l'alcool. Il n'a jamais parlé d'adultère, de fornication ou d'impudicité. Il n'a jamais parlé d'avortement. Mais il a honte de ces propos-là. La parole dit, dès que les gens vont dire ainsi, tu es accusé. Mais puisque c'est vrai, tu es dans des problèmes. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, ça c'est l'Église. Et principalement de ceux de sa famille. Le pasteur a deux rôles à jouer. L'Église, qui sont les siens, la zaka, il y a rien. Et les mamans de sa famille principalement. Il a dit que si le pasteur de Dieu n'a pas pu prendre soin de ces deux localités-là, la parole dit qu'il n'est plus considéré comme fidèle. Il a dit que c'est pire. Il a dit que c'est pire. Et un païen est mieux placé que lui. Donc, il y a un qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme. Voilà pourquoi, si vous rassemblez les gens au nombre de 1000, 2000, 3000, en tout cas, les dîmes, ça remplit les paniers, mais c'est à manger et à déféquer après. Moudrouya, tu m'indouran, la lèvre passe, et chacun, tu y chemin à clé, yama katoumoui, yama yanet en katoumoui. Efforcez-vous de prendre soin de vos maisons et à l'église, sinon vous serez un vaincu. Quelqu'un qui n'a pas pris soin de sa maison. Ses enfants commettent l'impudicité. Ses enfants prennent l'alcool. Ses enfants se disputent et ils ne se pardonnent pas. Ses enfants ne peuvent plus prier. Ils ne font qu'étudier. La parole dit, pasteur, diacre, tu as renié la foi. Tu as renié la foi.
Et il nous a dit qu'on peut entrer dans la foi et ressortir. Si toutefois nous ne sommes pas vigilants. Parce que la culpabilité, le péché te retire de la foi. Parce qu'il n'a pas cru en ce que Dieu a défendu. Voilà pourquoi il ose le faire. Alors tu as renié la foi. Si tu croyais, tu n'allais pas commettre l'adultère. Tu n'allais pas avorter. Tu n'allais pas prendre l'alcool. Tu n'allais pas voler. Puisqu'il ne croit pas, voilà pourquoi il ne prélève pas ses dîmes. Et en cela, il a renié la foi. Vous voyez, il y a autre chose qui est là. Il y a Jiga. Voilà pourquoi le passage que nous venons de lire, vous devrez relire et méditer davantage. Si la maison du pasteur n'est pas en règle, le pasteur et sa femme peuvent être induits dans un grave problème. Si l'église n'est pas en règle, n'est pas l'église. Et les diacres et les pasteurs peuvent tomber dans des problèmes. Parce que c'est eux les responsables, les leaders. Mes frères, l'œuvre, c'est spirituel. Tu es diacre. Et il te manque l'Esprit de Dieu. Toi, tu es diacre sans esprit. Et pourtant, la chair n'est pas capable. On t'a dit d'exercer le diaconat. Que tu sais parler. Tu as bien bossé. Mais où est le Saint-Esprit? C'est lui le garant de l'œuvre. Toi qui as accepté. Tout ce qui est pourri de l'église se retrouve sur toi. Vous voyez, vous devrez prier, demander à Dieu de vous donner des diacres. Nous voyons que c'est par le biais de d'impudicité que la maison d'Élie a été détruite. La fin, nous vous montrons. Si vous voulez quitter de votre malédiction, vous et vos disciples, si un jeune n'a pas encore de femme, s'il tombe avec une fille, cela est appelé fornication. Parce qu'ils ne se sont pas encore mariés. La repentance, c'est entre lui et Dieu. Que ce soit la fille ou le garçon, c'est entre chacun d'eux et leur Dieu. Maintenant, si le pasteur tombe dans l'adultère ou le diacre, et si c'est avec quelqu'un du dehors, un païen, ou une jeune fille de l'église qui ne s'est pas encore mariée, ou avec un jeune homme de l'église qui ne s'est pas encore marié, sa confession, c'est entre chacun et Dieu. Mais s'ils savaient, ils se sont mariés. Et ils ont juré devant Dieu, ils ont promis devant Dieu et devant l'assistance. Si le pasteur tombe dans l'adultère, l'esprit de mort vient. Si le pasteur veut sortir, il demande pardon à Dieu devant un autre collègue pasteur. Et il doit demander pardon à sa femme à cause de leur promesse le jour du mariage. Avant que l'esprit de mort ne s'en aille. Sinon, vous ne pouvez pas juger l'esprit de mort.
Mais si on demande le pardon aussi, vous ne devrez pas refuser. Lui-là qui n'a pas commis l'adultère, s'il refuse de pardonner, lui aussi vient de désobéir à Dieu. Et son péché ressuscite. Si c'est la femme qui est tombée, c'est ainsi aussi. Demande pardon à Dieu et à son mari. Avant que l'esprit de mort qui regarde la parole s'en aille. Mais s'il savait que c'est un jeune de l'église qui tombe avec une femme mariée et pourtant la femme a promis devant Dieu le jeune a offensé le frère qui est le mari de la femme. Et il a offensé Dieu également. S'il demande le pardon de Dieu, que Dieu lui pardonne, il doit aller demander pardon à son frère car il a trompé sa femme. Avant que l'esprit de mort ne s'en aille. Il en est de même pour le pasteur. Si vous couchez avec quelqu'un qui s'est marié déjà, vous avez trompé votre frère ou votre soeur. Et vous avez terni la loi de Dieu qui défend l'adultère. Voilà pourquoi ceux qui se sont mariés, dès qu'ils tombent dans l'adultère, la confession est aussi difficile que ceux qui ne se sont pas encore mariés. Si vous êtes tombé dans de tels problèmes déjà, et pourtant vous désirez entrer dans le royaume de Dieu, vous serez tenu de suivre les principes posés par la parole de Dieu. Demandez pardon à Dieu, demandez pardon à votre mari ou votre femme. Avant que Dieu ne vous reçoive. Sinon, s'il doit vous recevoir, le demandeur va demander à être reçu aussi. Et pourtant, Dieu ne reçoit pas un démon. Alors pourquoi nous vous montrons? Si vous êtes marié et que vous avez commis l'adultère, ça c'est que vous avez à confesser en deux lieux. Et si c'est vous êtes dans la maison et vous avez commis cela entre vous, vous devrez voir le frère et résoudre le problème, vous réconcilier. Ou bien c'est une seule qui a qui est couché avec le mari d'une de ses copines dans l'église. Ça aussi, elle doit demander pardon à Dieu et demander pardon à la femme de monsieur dont elle est entrée avec. Avant que l'esprit de mort ne s'en aille. Ce que je vous dis, si vous ne revenez pas dans la vérité, même si Dieu veut vous laisser, le démon ne va jamais accepter. Parce que Jésus est vérité. Tous ceux-là qui ont commis l'adultère, qui sont dans le péché, voilà, je vous ai montré comment sortir. Mais à cause de la peur et de la honte, beaucoup vont aller en enfer. De surcroît parmi les mariés. Et il se craint plus que Dieu. Que si jamais je dis cela, je vais perdre mon foyer. Il ferme la bouche. Et le ciel est rompu. Et le mariage préservé. Ça, c'est sans importance. Nous sommes tenus de nous confesser, nous repentir. Même si ce sera au risque de notre foyer. Pourvu que le ciel soit conservé. En cela, nous allons triompher. Nous allons prier pour vous. Ce que nous allons dire, vous allez répéter cela. Que Dieu vous compatisse. Vous allez dire, Dieu de vérité,
J'ai entendu ta parole. Yemba makoa mambudo. Et ta parole m'a jugé. Mambi roura poa. Moi qui suis dans la maison. Mamjeli roura poa. Suis tombé dans l'adultère. La mure na mame. Et je prends l'alcool. Mpanyakir pi puire. Je ne prélève pas mes dîmes. Mamnona yagda zini. Ma bouche profère du mensonge. Mamlebe wita neba. Et de surcroît je critique. Mampanan yam tonde. Je ne respecte pas, je n'honore pas tes commandements. Et après avoir entendu ta parole, je te demande pardon. Au nom de Jésus. Et compassion de moi. Permets que ta miséricorde descende sur moi. Que ton amour vienne sur moi. Toi qui me pardonnes. Pardonne à ceux-là qui m'ont offensé. Et je les tolère, je les libère. Aie pitié de moi. Aide-moi. Afin que j'arrête de commettre l'adultère. Et de boire l'alcool. Moi qui ai avorté déjà. Je demande pardon. Au nom de Jésus. Moi qui ai déjà enceinté. Je demande pardon. Au nom de Jésus. Pardonne-moi. Car je suis endurci du cœur. Je suis dans ton œuvre. J'étais offensé, malgré tout, je continue dans l'œuvre. J'étais affligé le cœur. Parce que je suis à la chorale. Je me suis souillé avec la fornication et néanmoins je continue de chanter. J'ai avorté, néanmoins je continue de chanter. Je l'ai caché aux autres, mais pas à toi. Et j'ai terni ton œuvre. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Moi qui suis dans le diaconat, j'ai commis l'adultère et je suis toujours dans l'œuvre. J'ai souillé ta maison. Et tu t'es méprisé. Je te demande pardon. Moi qui suis dans ta maison, je prends l'alcool, des envoies, mais ils en parlent. Ils m'ont jugé que je suis ivrogne. Quand un ivrogne va entrer dans ton royaume, je demande pardon. Au nom de Jésus. Moi qui donne un mauvais exemple, je t'offense. Aide-moi afin que je puisse te craindre. Au nom de Jésus. Mettez votre main sur votre tête. Baissez vos regards. Alors suppliez le Dieu miséricordieux. Que sa bénédiction vienne sur vous. Et son amour. Dieu puissant. Des hommes et des femmes t'ont écouté. Ils sont dans l'esclavage. Dans leur faiblesse. Ils sont tombés dans l'impudicité. Ils ne prélèvent pas leur dîme. Ils prennent l'alcool, ils font de l'exorcisme, ils se critiquent, ils se trompent, ils ne s'aiment même pas. Nous prions de les pardonner. Au nom de Jésus. Et qui commettent leurs péchés pour te les cacher. Ils ont bien compris l'affaire. Ils ont mis leurs mains sur leur tête. Que Dieu les pardonne. Comme leur foi en vous. Au nom de Jésus. Et ceux-là qui sont dans la maison qui ont commis l'impudicité entre eux et qui sont des frères, donne-leur le courage de pouvoir se confesser devant toi et devant, entre eux aussi. Afin que l'esprit de mort s'en aille. Que ce soit un pasteur, aide-le. Que ce soit un diacre, aide-le. Que ce soit un disciple, aide-le. Délivre-les du feu de l'enfer. Aide ces gens. Afin qu'ils retournent dans ta vérité. Toi qui es miséricordieux. Esprit de Dieu descend sur eux. Esprit de Dieu, aide-les. Au nom de Jésus. Amen.